Alors, je m'appelle Monsieur Pinceau et si vous venez travailler avec moi ici, nous allons apprendre à peindre ce qu'il y a sous l'eau, c'est-à-dire les poissons, les algues, les baleines et au-dessus de l'eau, les bateaux, le soleil, les arbres, les animaux. Bonjour, je suis Tony Fripaka et ceci est le terrain de basket tree. Pour le principe, c'est mélanger le basketball avec le tri des déchets, la verte avec le vert, la poubelle jaune avec les plastiques, métaux et papier carton d'emballage, et la dernière poubelle où on met tout le reste. Et toi, Clément, t'es déjà passé à la télé? Non. Non? T'es content? C'est vrai? Tu peux faire coucou si tu veux, ils sont là. Nous, on te regarde. Voilà. Tu dois savoir à partir de quoi ça fonctionne. Qu'est-ce qui l'a fait marcher, l'éolienne? Est-ce que c'est plutôt le vent, le soleil? Alors ici, c'est le coin du chercheur. Alors non seulement on cherche, mais en plus on trouve, on a des solutions. Le coin du chercheur, ça s'organise en trois ateliers différents. Le premier atelier, c'est le voyage de l'eau dans la ville. Ensuite, à côté, on parle du cycle de l'eau. Et on s'attarde sur l'eau dans la nature et sur l'infiltration de l'eau dans les sols. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un cycle? Parce que l'eau, tu vois, elle part toujours d'ici, elle rencontre le soleil et hop, elle monte. Et le troisième atelier, c'est l'atelier de la biodiversité, où ils ont un puzzle pour reconstituer la chaîne alimentaire, le fameux qui mange qui. Alors le but, c'est de trouver laquelle est laquelle, donc il y a robinet et viande complexe. C'est la complexe. T'es d'accord là-dessus? Non, et celle du milieu, là. Et là. Et vous savez d'où elle vient, l'eau du robinet? À la base, on prend l'eau qu'on trouve dans la rivière, dans les lacs, et on les pompe et on les amène dans une usine pour la traiter et la rendre potable. Yeah.